Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo opening. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de l'opening du Summer of Pain sur le gros compte. Voilà, clairement, j'ai réussi toutes les missions. Ça m'a coûté pas d'unité. Clairement, des ressources, oui, mais des ressources gratuites, entre guillemets, dans le sens où on a des réa en faisant quelques quêtes, en allant farmer des réa sur la variante 7. J'ai entendu dire qu'il y en avait aussi sur l'acte 5, je ne sais plus quelle quête, avec des recharges d'énergie. J'ai pas encore testé, voilà. Mais sur les variantes 7 classiques, le 2.2 et 3.2, il y en a assez souvent, même si j'ai pas vraiment chaté quand j'ai fait mon 100%, mais j'ai chaté après, j'ai eu beaucoup de 20%. Donc voilà. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Le fantôme et ma frost ont été très durs, mais le résultat en vaut la chandelle, surtout quand on va voir là la vidéo de ce qui va pop. Regardez, c'est énormissime. C'est énormissime. Les 75 pierres basiques, c'est énorme. J'attends Doom avec impatience, un Spidey furtif avec impatience. Voilà. J'ai à propos à finir de mettre à 200. J'ai Egon qui n'est pas à 200. Voilà, donc les pierres, on va les passer. Ce qui est du Nexus. Nexus, j'ai pris Mystique car je tente Doom. Voilà, clairement, c'est Doom que je veux. C'est Doom. Vraiment Doom. Il me faut Doom. En 6 étoiles, je me plains pas du tout. Je voudrais Doom. Vraiment, clairement. Dans les T5C, j'en avais déjà parlé. J'ai pris Mutant et Cosmique. Alors, le Cosmique, il ne popait pas. Là, j'ai eu un coup de panique. Vraiment un coup de panique de fou. Je me suis dit, ah, on vient pas. Et voilà, c'est venu après. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai pris Cosmique en deuxième parce que j'ai CGR. Je garde l'espoir de Odin. Voilà, clairement. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, j'ai pas encore fait un opening 6 étoiles 15K. Je vais le tourner. Si je chope Odin, ça sera Odin 6R3 et pas CGR. Voilà, clairement. Voilà, mais pour le moment, ça sera Pyramid X et CGR en 6R3. Pyramid X, à l'heure à laquelle je vous parle, en fait, j'ai coupé la vidéo et j'ai oublié de le tourner, mais je l'ai up juste après. Voilà, il y avait plein de gains de niveau, mais j'ai fait le. Juste le 6R3, donc j'ai utilisé mon T5C. J'ai pas assez d'Alpha 2 pour faire le deuxième tout de suite dans l'immédiat. Donc, pas très grave. Pyramid X va bien m'aider, beaucoup m'aider, surtout en GA. Je pense que je vais me mettre à faire la borne Snake Puissant et mettre des mixtures avec elle. Clairement, on verra bien. Comme on le voit, j'ouvre tout un maximum. Vous voyez, je suis 14 300, donc j'ai pas ouvert le 15K. Là, j'ouvre des 10K, je cherche, qu'est-ce que je cherche? Rien, des éveils pour de l'ISO, voilà. En tout premier, si ma mémoire est bonne, c'est un nouveau. C'est ça, ça s'arrête sur Super Scroll, puis ça s'arrête direct. Hein. J'ai ouvert, je sais pas combien de 15K pour essayer de pop, il n'est jamais venu. Là, je l'ai eu, je suis content. Bon, bien sûr, il ne va pas être up tout de suite, il passera à 5R3 prochainement. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de mettre tous mes 5 étoiles 5R3. Le but, c'est de pouvoir les tester même en 5R3. Là, qu'est-ce que je chope derrière? Je ne sais plus. Attention, je regarde. Nebula, c'est de la merde. Mais ça fait de l'ISO, clairement. Clairement de l'ISO. Ensuite, je chope... après Nebula, j'ai eu qui? Oh, je sais même plus. Je suis en vacances. Je suis complètement zappé. Je regarde en même temps que vous. Ah oui! Ah ouais! Oh, le troll! Je la mets 5R5 et j'augmente sa compétence. Je crois qu'elle passe à 40 ou à 60. Ah non, même 80! Je la joue jamais. Je l'ai up 5R5 pour rien du tout. Je suis dégoûté. Je suis tellement triste. Non, ça, qu'est-ce que j'ouvre derrière? J'ouvre, je crois, du T5C. Ouais, je prends, je crois, mon sélecteur 10% de T5C. Je prends Mystique de mémoire. Mais Super Scroll, je suis très content. Car je sais pas, il a Super Scroll, c'est un peu comme Mangog. Rien d'extraordinaire. Mais pour moi,
Je kiffe. Je kiffe clairement. Je kiffe ce genre de perso dans le sens où visuellement, c'est joli. C'est comme Penny Parker. La toute première fois que je l'ai affronté, j'ai fait Ah, oh, ça j'aime bien. En soi, elle a l'air vraiment monstrueuse. Avant de commencer à la mettre dans le top 5, à la tester. Parce que maintenant, dès qu'on voit des vidéos, qu'on teste un nouveau perso, tout le monde dit Oh, c'est monstrueux. Et après, on les voit nulle part. Voilà. Oui, j'ouvre ça, vous avez vu ça un peu. Un Alpha 2 et 5000 fragments 5 dans les briseurs de trône. C'est la première fois, je crois, que je suis aussi content d'avoir des fragments. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Je cherche, je cherche. Ah oui, j'ouvre les pierres. Pas mal de pierres. Je suis assez content. Oui, 35 pierres 6, je prends. Clairement. Pour le moment, je stocke. Le prochain, ça sera vraiment de finir à Popo. À Popo, maintenant qu'il est 6R3, de le mettre à 200. Ce sera de choper Doom et de mettre un maximum de pierres sur Doom. J'attends de voir si je suis en capacité de faire les 6 passages du Summer of Pain en semaine 10, là. Si je fais les 10 passages, je pourrais regagner 75 pierres 6. Le nombre de pierres qui seront en réserve, je les mettrai sur Apocalypse. Clairement sur Apocalypse. Je garderai une centaine de pierres en stock, comme ça dès que je chope Doom. Il peut passer à plus de 100 tout de suite. Donc voilà, très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ouvre? Il y a le T5C, je crois. Il y a les 10% de T5C en Nexus. C'est le 100% de la queue chevalier qui donne ça. Vous voyez, le Nexus. Le Nexus donne ça. Ça, c'est pas mal. Un petit Nexus 10%. Moi, je trouve ça cool. Ça nous permet de choisir un peu ce qu'on veut. En soi, là, j'ai eu les trois que je voulais le plus. Parce que, bah, mutant, il y a toujours des mutants à up. Mystique, j'attends Doom. Bien entendu, s'il n'y a pas Doom, on sait, il y a le Dormammu de ma fille qui arrivera en cinquième position. J'ai Symbiote Suprême qui est là. Je commence à avoir du pas mal en Mystique. Là, clairement, quand je l'ouvre, je veux Doom. Je veux Sorcière Suprême, Black Widow Clairvoyante, Mangog. C'est pour des éveils ou du prestige. Mais j'attends Doom en premier. Là, je vois Sorcière Sup. Et je fais oui! Derrière Black Widow Clairvoyante, oui! J'étais refait de ouf. Car j'ai pas Doom, mais j'éveille la Clairvoyante. Sorcière Sup, monter les compétences de 20. Très intéressant, c'est pour mon prestige. Et elle a besoin d'être éveillée à haute compétence. Mais en premier lieu, je veux d'abord éveiller mes persos au moins une fois. Donc je prends Black Widow 40. Et maintenant, elle est éveillée à 20. Je ne lui mettrai jamais de pierre, mais elle est éveillée. Éveillée à 20. Je suis refait. J'étais super heureux parce que il y aurait eu Doom à côté. J'aurais déprimé, mais c'était un Nexus de fou. Déjà, le Nexus est fou. Clairvoyante et Sorcière Sup. C'est mes deux premières 6. Maintenant, les deux sont éveillés. Je suis content. Enfin, je me vois avancer depuis le mois de janvier. Elles sont 6R3, toutes les deux n'ont éveillé. Voilà, il a fallu attendre le mois d'août pour les éveiller au moins une fois. Je suis content. Je suis très, 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 très content. Il manquerait plus qu'à éveiller clairement Jabari dans un 15K. Et là, je me retrouve avec beaucoup de 6 étoiles éveillées, beaucoup de 6 étoiles dont je joue en plus. Voilà, c'est monstrueux. C'est énorme. Regardez-moi ça! Black Widow Clairvoyante en 6 l'éveil! Non, mais voilà, c'était du bonheur. C'était du bonheur de l'éveiller. C'était un kiff total. Voilà, clairement. Ça m'a pas augmenté mon prestige. À 20, elle n'est pas assez haute. Je pourrais, hein, si je donne toutes mes pierres à elle ou à Sorcière, mon prestige augmenterait énormément. Mais c'est pas sur elle que je mise. Aujourd'hui, c'est pas sur elle que je mise, on verra plus tard. Voilà, les filles, voilà, mon gros compte a pris une petite évolution d'un éveil important. Enfin, en soi, ça change pas grand-chose sur le gameplay, mais pour moi, c'était important qu'elle le soit. Ça fait plaisir de jouer des persos éveillés, même qu'à 20. C'est toujours mieux que non éveillés, vous voyez, cette petite frustration qui est là. Donc voilà, les filles, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous. On n'oublie pas le petit défi du mois de septembre, essayer de trouver des potes et faire un groupe de 10. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis merci. Bisous. À plus. Bye bye.